Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le programme d'appui aux structures d'accompagnement en entrepreneuriat innovant SAEI a pris fin ce jeudi. Une trentaine de structures ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme dénommé DigiBoost et ont reçu leur attestation de participation au terme de 9 mois de formation. Le compte rendu dans un instant. La Société béninoise d'énergie électrique a procédé le vendredi 23 juin à la mise en terre de près de 1000 plants. C'est le site de Gadpé dans la commune de Ouida qui a abrité la cérémonie. Les détails dans ce journal. Le tournoi de l'unité du bloc républicain de la 6e circonscription électorale a été lancé ce samedi sur le terrain de Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi. Un tournoi qui met en compétition 16 équipes de football venues de 3 différentes communes de la circonscription. À nouveau, bonsoir. Le programme DigiBoost visant à appuyer les structures d'accompagnement en entrepreneuriat innovant SAEI a pris fin ce jeudi. Une trentaine d'entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme. Au terme de 9 mois de formation, les participants ont reçu leur attestation. Voici le compte rendu de la cérémonie. Ils représentent ici la trentaine de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, bénéficiaires du projet DigiBoost, lequel s'est attelé, 9 mois durant, à renforcer les capacités des dites structures quant à la mise en place de méthodes et outils, de même qu'en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de programmes d'accompagnement. Nous avons organisé des modules de renforcement en compétences des structures d'accompagnement et donc nous avons organisé des modules collectifs, immersifs et intensifs à Grand Popo et à Boïcon où l'ensemble des directeurs et des chargés d'accompagnement ont été confrontés à une méthode d'accompagnement, à des outils pour aider les entrepreneurs. Boost pour nous, c'était très utile dans un environnement où voilà, vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent avec des idées de projets. Et il faut que les structures d'accompagnement soient outillées, formées, soient capables d'encadrer ces jeunes-là. Et donc voilà, c'était très utile pour nous et on est fiers quand même d'avoir été retenus pour cette aventure-là. Alors ce qui va changer, c'est les outils. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, c'est les outils qu'on a désormais à leur disposition. C'est également l'expertise de l'équipe qui a été renforcée. Et donc les coachings seront davantage plus approfondi, mieux structuré, mieux pensé. Et donc voilà un peu les deux grands éléments sur lesquels voilà, les choses vont changer pour nos incubés. Financé par l'Union européenne pour un montant de 1,8 milliard de francs CFA et mis en œuvre par l'Agence belge de développement Unabel, le projet a pour but de renforcer l'écosystème à travers des appuis aux structures d'accompagnement des start-up tels que les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs ou encore les espaces de coworking. La formation que nous clôturons aujourd'hui porte sur l'amélioration de la qualité des services qu'offrent les SAEI aux start-up et nous sommes convaincus que l'écosystème est désormais mieux outillé pour adresser les besoins des start-up locales et contribuer ainsi à la transformation de l'économie nationale. À travers ces actions d'appui aux SAEI bénéficiaires et aux événements de l'écosystème, le projet a pu impacter plus de 900 porteurs d'idées de projets. Il est important de souligner que les actions du projet DigiBoost ont donné lieu à une transformation significative vers la maturité de l'écosystème entrepreneurial béninois et accompagnent ainsi la volonté du gouvernement béninois de mettre en place un certain nombre de réformes pour une meilleure structuration de cet écosystème. L'Union européenne entend par ce programme renforcer l'écosystème de l'économie digitale au Bénin et accompagne le ministère du numérique et de la digitalisation dans la mise en œuvre de l'agenda digital du Bénin. La Société béninoise d'énergie électrique SBE a célébré en différé ce vendredi la Journée nationale de l'arbre. Des autorités et quelques agents de la société ont choisi le site de Gadpé à Ouida pour procéder à la mise en terre de près de 1000 plants. C'était sous le thème Arbre, énergie, économie verte. Sherina Messaoussounou. La SBEE a célébré ce vendredi la Journée nationale de l'arbre en différé. Inscrite sous le thème « Arbre, énergie, économie verte », cette célébration vise notamment à participer à la reconstitution du couvert végétal et le choix du site de Gadpé dans la commune de Ouida n'est pas anodin. La SBEE aujourd'hui est dans la fourniture de l'énergie verte. Mais comme je le disais, la Journée de l'arbre est consacrée justement à la valorisation donc des espèces
n'est-ce pas, Phonique. Et justement, aujourd'hui, nous sommes à une époque où tout le monde entier est mobilisé contre le réchauffement climatique. Et donc chacun, en ce qui le concerne, là où il se trouve, doit trouver le moyen chaque année de vraiment célébrer cette journée-là. Et la SBE n'a pas voulu rester en marge. Et le site de Kakpé est choisi comme l'un des deux sites qui va abriter l'événement parce que dans les semaines à venir, ce site va abriter un poste qui va compter énormément dans le patrimoine électrique du Bénin. Cette année, c'est près de 1000 plans qui sont mis en tête sur les différents sites. Pour le maire de la commune de Ouida, cette participation au reverdissement vient à point nommé et des actions sont prévues pour l'entretien des plans. Je pense que en droite ligne de ce qui a été déjà fait depuis plusieurs années, depuis près d'une dizaine d'années dans la commune de Ouida, ceci vient pour donc renforcer cela, soutenir cela. Mais il faut également reconnaître que cette action de la Société béninoise d'énergie électrique vient également pour compenser un peu tout ce qui a été fait en termes d'abattage d'arbres lors des tracés des voies, lors du tirage des câbles pour alimenter la commune. Sur le site que nous allons planter cette arbre, ensemble avec la Société béninoise d'énergie électrique, nous allons voir comment mettre en place un dispositif qui puisse surveiller, entretenir ces plans-là jusqu'à maturité. Après le site de Gakpé, c'est celui d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a été reverdi par 200 plans. À travers ce geste de reboisement de ces sites, c'est un acte de conscience et de responsabilité que la SBEE engage vis-à-vis de sa clientèle. La Fondation Malekhosou se réjouit de la subvention accordée par le gouvernement pour l'achat des intrants courant cette campagne agricole. Les membres de la Fondation saluent le chef de l'État qui a adopté les décrets d'application de la loi de 2017 au profit des personnes en situation de handicap. Ils ont également donné leur point de vue sur des sujets d'actualité ce samedi. William Clicquan. La subvention accordée aux cotonculteurs pour l'achat des engrais agricoles ne passe pas sous silence à la Fondation Malekhosou. Les membres saluent cette volonté politique. Le montant décaissé se chiffre à plus de 30 milliards de nos francs CFA. Cette subvention va permettre aux producteurs de coton d'acheter les intrants à un coût relativement bas, malgré la tendance haussière de leurs prix dans le monde. Nos remerciements vont également à l'endroit de Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce pour toutes les dispositions prises par son département ministériel au profit de la bonne gestion des produits pétroliers en faveur des populations en cette période difficile. Le renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité, la bonne organisation du Hajj de cette année et la réussite de l'année scolaire 2022-2023 à travers l'organisation des examens de fin d'année réjouissent également la Fondation. L'autre actualité qui fait écho ici est l'adoption des décrets d'application de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Ces mesures qui fixent en faveur des personnes en situation de handicap de nouvelles conditions d'accès à la formation, à l'emploi, au transport et au spectacle vont sans nul doute améliorer le niveau d'intégration sociale de cette cible. Ce sont des actes salutaires. Si la chose est bonne, il faut apprécier. C'est ce que nous faisons. Bon, les gens nous traitent de tout, mais on a accepté. On a accepté, nous soutenons le pouvoir pour lui dire la vérité. S'il a quelque chose qui ne va pas, nous n'avons pas besoin de dire cela en public. C'est ce que la Fondation fait. Et si Malekhosou a créé cette Fondation, ce n'est pas lui qui l'a créée, c'est Dieu qui a créé la Fondation. Parce que, quelles que soient vos intentions,
quel que soit ce que vous voulez, c'est ce que Dieu veut qui se fera. La Fondation Malerosu lance aussi un appel à l'Union des députés de tous les bords pour le retour au pays et la libération des personnalités politiques en conflit avec la loi. Elle témoigne aussi toute sa compassion aux familles victimes des événements douloureux liés au match Bénin-Sénégal. L'entreprise Colas Bénin a procédé vendredi au lancement d'un nouveau dépôt à Kassato, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un point de vente de granulats enrobés et émulsions pour les particuliers à proximité de Cotonou. Une initiative de Colas Bénin qui vise à rapprocher davantage les services de la population. Wouliette Sanoussi. C'est ici, dans l'arrondissement d'Akassato, sur la route inter-État Cotonou-Niamey, qu'est désormais érigé le nouveau dépôt de Colas Bénin. Et pour le faire découvrir au public, l'entreprise a organisé vendredi une journée porte ouverte. En essayant de rechercher et de répondre aux besoins de nos clients, on a souhaité mettre et de créer le dépôt que vous avez l'opportunité de visiter aujourd'hui et nous vous en remercions. Donc pour mettre l'ensemble de nos produits au plus près de nos futurs clients et des consommateurs qui seraient donc dans la zone économique de Cotonou. L'ensemble de nos produits proviennent de notre carrière qui est située à Dan, à côté donc un peu plus au nord de Boycon. Ici, en dehors des granulats qui donc proviennent de la carrière, vous pourrez voir l'ensemble de nos installations qui produisent des enrobés, le goudron pour réaliser les routes, et qui produisent également l'émulsion étant la colle, si je puis dire, qui permet donc à l'enrobé d'adhérer au support sur lequel il est mis en œuvre. Représenté à l'occasion, le maire et tout le conseil communal d'Abomey-Calavi remercient les responsables de Colas Bénin pour le choix porté sur Akassato dans le cadre de l'extension de leur champ commercial. Abomey-Calavi s'honore ainsi de ce choix qui restera indélébile dans les annales de la commune. La journée porte ouverte que vous organisez ici chez nous à Kassato revêt d'une triple importance. La première d'abord, elle apporte à coup sûr un avantage à la municipalité. Ensuite, Colas Afrique Bénin se rapproche de notre municipalité et surtout de ses clients, ce qui apporte une plus-value aux activités de l'entreprise sur le territoire. Et enfin, la qualité et la diversité du point de vente. Après une visite guidée du nouveau dépôt, les entrepreneurs présents apprécient cette initiative de Colas Bénin qui vient soulager plus d'un en matière de gravier, granulats et autres. Nous étions obligés de nous déplacer vers le Saint-Antrion, aller à Dassa pour chercher le coin carcé. Mais aujourd'hui, avec la journée porte ouverte Colas, nous avons compris que Colas a voulu nous assister techniquement. Donc moi, j'invite la population à venir massivement acheter ces produits pour la construction de leur bâtiment parce que, vous savez, en termes de qualité d'un bâtiment, ça dépend également du choix du matériau. Mieux vous choisissez de bons matériaux, mieux votre bâtiment est bien construit et durable. Nous avons une soif d'avancer, une soif de rester au Bénin, parce que j'entends des choses se dire partout que Colas va partir, que Colas va quitter le Bénin. C'est une preuve au jour d'aujourd'hui que Colas ne veut pas partir du Bénin, mais au contraire veut répondre au mieux aux besoins qu'éprouve le Bénin dans ces périodes de grande construction d'infrastructures. La société Colas existe depuis une centaine d'années. Elle a toujours été portée par l'innovation et l'adaptation afin de répondre à l'ensemble de ses clients et des marchés. Aujourd'hui, elle essaie de contribuer partout dans le monde à une meilleure mobilité des populations et notamment au Bénin où elle est présente depuis plus de 60 ans. L'agence AT Conseil Label a officiellement lancé le Salon international de l'automobile, motocycle et services associés Cotonou Automoto Show 2023. C'est à travers une conférence de presse que l'agence a exposé les différentes étapes du déroulement du salon qui est à sa toute première édition. Le point avec Estelle Kakba.
Optimiser la mobilité humaine au Bénin face aux enjeux climatiques. C'est le thème de cette première édition du Salon international de l'automobile, motocycle et services associés de Cotonou. Plusieurs objectifs sont visés par ce salon. Cotonou Automoto Show se propose de mettre en présence, à travers une exposition et des conférences et ateliers, dans une ambiance de kermesse, les offres et la demande en produits et services de mobilité disponibles sur la place. Cette séance permet aussi à ceux qui sont intéressés au salon de pouvoir être informés. Exposition, conférences, ateliers, panels, ainsi que des séances de présentation et d'explication. Autant d'activités qui vont meubler ce salon ouvert à divers profils du secteur de l'auto et de la moto. Le Zoom ou les séances de Zoom que nous avons programmées concernent. Ça, c'est ouvert à tout type, à toutes les entreprises, à tous les véhicules, à toutes les marques et à tous les modèles. Ce que nous aurions aimé, c'est de ne pas faire découvrir quelque chose qui est déjà connu. Donc, le critère, c'est que ça présente une nouveauté pour le public béninois. Et là, ça participe aux séances de Zoom. Comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est d'abord les concessionnaires de véhicules et matériel de transport. C'est ensuite les offreurs de services support, c'est-à-dire les structures qui facilitent l'acquisition de véhicules ou moto, les services qui ont quelque chose de près ou de loin avec l'acquisition et l'entretien d'automobiles et de motocycles. Le grand public, mais surtout, sont visés et approchés. Nous avons commencé ce travail. Les personnes qui ont intérêt à acheter des véhicules, qui ont intérêt à un bon entretien de leurs véhicules. Le salon qui est à sa première édition va se dérouler du 12 au 15 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Mise en service de plusieurs modules de latrines dans plus d'une vingtaine d'établissements dans les collines, les infrastructures sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Plan pour les filles. L'initiative de construction de ces lieux d'aisance est portée par Plan International Bénin. Le financement est assuré par l'Institution des Affaires mondiales du Canada. Reportage. Des modules de latrine construits selon les normes nationales en matière d'infrastructures sanitaires scolaires et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ces lieux d'aisance ont été réalisés par Plan International Bénin sur financement de Affaires mondiales Canada dans 23 établissements dont 18 secondaires et 5 primaires. Ces écoles et collèges sont répartis dans les 4 communes impactées par le projet Plan pour les filles dans les collines. En dotant les écoles et collèges de latrine VIP, Plan pour les filles vient de trouver une solution au maintien en milieu scolaire des filles qui autrefois s'absentaient dès qu'elles traversent la période menstruelle. Mieux, ces latrines, de par leur spécificité, favorisent le respect de l'intimité des filles et des garçons. Chers élèves bénéficiaires, il est de votre devoir de vous approprier ces lieux, de pouvoir les entretenir et d'en faire un bon usage. La mise en service de ces modules de latrine va permettre de soulager les apprenants qui ne disposent pas de toilettes adéquates au sein de leurs établissements. La situation est davantage plus compliquée pour les filles qui, outre cette difficulté, ont du mal à trouver un lieu sûr et approprié pour gérer les menstrues durant les heures des classes. L'absence de toilettes séparées pour les filles et les garçons est l'un des principaux obstacles à l'éducation des filles. Face à la crainte de mal gérer les menstrues pendant qu'elles sont à l'école, il arrive souvent que les filles manquent les cours durant des jours et ce, chaque mois, au pire des cas, elles abandonnent l'école. Les latrines mises en service répondent à ce besoin puisqu'elles sont destinées aux filles et elles sont dotées d'un coin d'hygiène menstruelle alimenté en eau et qui leur permettra d'avoir un cadre adéquat pour gérer ces moments particuliers.
Par ailleurs, toutes les toilettes sont à fosse sèche. Elles sont ventilées avec vidange arrière et accessibles aux personnes vivant avec un handicap moteur. La cérémonie d'inauguration ici à Savalou est consacrée à la mise en service des latrines dans 6 établissements bénéficiaires. Chacun d'eux dispose de 2 modules séparés filles-garçons, érigés selon le modèle exigé par le gouvernement. Le coût total des investissements dans la commune est évalué à 37 466 540 francs CFA. J'invite nos filles, nos enfants à entretenir, à utiliser ces latrines comme les douches, comme les WC qu'elles ont dans leur maison. En plus de Plan International Bénin qui a porté l'initiative de réalisation de ces latrines, bien d'autres partenaires ont apporté leur contribution, dont la mairie et les directions départementales de la santé, de l'enseignement primaire et secondaire. Pour une utilisation efficiente des infrastructures, le projet a également entrepris la formation du personnel et des élèves sur l'entretien des joyaux et la gestion de l'hygiène menstruelle. Je le disais en titre, le tournoi de l'unité du Bloc républicain de la 6e circonscription électorale a été lancé ce samedi sur le terrain de Zoka, dans la commune d'Abomey-Calavi. Un tournoi qui met en compétition 16 équipes de football provenant de 3 communes de la circonscription. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Candide Rourento. Rapidement présenter les équipes. Ils sont venus pour le coup d'envoi du tournoi de l'unité du Bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Mais visiblement, la pluie n'a point facilité les choses. Mais avec sa clémence, le match inaugural entre la formation du FC Recamé 2R et celle de Gémeaux FC de Crévier a démarré aux environs de 17h. Après l'exécution de l'hymne national par les deux équipes, le coup d'envoi a été donné par les militants du Bloc républicain et l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif général reste bien connu, faire révéler certains talents de la commune d'Abomey-Calavi, de Souava et de Zé. Mais les objectifs spécifiques sont divers. C'est pour quand même amener tous les jeunes pratiquement de la 6e de la localité et à profiter de leurs vacances dans un premier temps et à connaître davantage le parti qui existait, qui connaissait aussi, mais aussi à les inviter à adhérer au parti parce que c'est un parti qui a le souci de la promotion de la jeunesse. C'est pourquoi nous l'avons intitulé Unité. Unité, si les jeunes sont unis autour d'une nation, ça devient une nation forte, une nation qui est disposée pour l'avenir. Il a tergiversé, il a mis son contre-coupé dans une très belle possibilité de but, la frappe. Une première partie partagée entre émotion et joie du public qui a effectué le déplacement. Je pense que je suis émerveillé, sinon je serais déjà parti depuis. J'ai constaté qu'il y a de véritables talents dans notre circonscription que nous devons promouvoir. Absolument, donc nous avons un travail à faire. Eh bien, ça aussi a été pris en compte par les organisateurs du tournoi de l'unité de la 6e circonscription électorale dont l'ancien maire de la ville d'Abomey-Calavi est le parrain. Des dispositions ont été prises pour mettre en lumière les talents les plus prometteurs du tournoi. Il y a un comité qui sélectionne certains éléments, certains talents dans ces 3 communes-là. Après, nous allons trouver un entraîneur pour ces talents. Ils seront une 60aine environ. Et nous allons essayer de voir comment nous pouvons leur trouver un entraîneur pour avoir une équipe dans notre circonscription électorale. Au total, 32 matchs seront joués. Le vainqueur et le vice-champion, en plus d'un trophée, repartent avec une enveloppe financière respectivement de 1 million de francs CFA et de 500 000 francs CFA, 2 ballons et un jeu de maillot. La 3e et 4e meilleure équipe du tournoi, eux aussi, seront récompensés. Des récompenses individuelles sont également au rendez-vous. C'est donc parti pour environ 2 mois de compétition entre 16 équipes réparties en 4 poules différentes. On estime bien fort. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon début de semaine.